Alors, nous pouvons continuer avec simple past tense. Simple past tense, c'est past, c'est le passé. Alors, nous connaissons pour past tense, nous bisons ajoute ED avec le verbe. Mais pour certains verbes, il est un peu différent. On nous prend un exemple. Verbe to like. Like veut dire aimer. Alors, like, lui, déjà, il a un E. Nous pas pour remettre E, nous pour ajouter seulement D. I liked. Mettre seulement D. You liked. He liked. She liked. It liked. We liked. They liked. À nous lire ensemble, me poil lentement. I liked. You liked. He liked. She liked. It liked. We liked. They liked. Alors, ici, on a quelques exemples d'un verbe qui finit avec E et nous ajoute D seulement pour le past tense. Alors, on a par exemple bake, veut dire cuire un gâteau, arrive, arriver, dance, danser, save, save veut dire sauve la vie du monde, ou bien garder, close, fermer. Comment fermer la fenêtre, fermer la porte. Smile, sourire. Escape, sauver. Alors, ça va un verbe là, c'est quelques exemples d'un verbe qui nous ajoute seulement D pour le past tense parce qu'il a déjà E. Astella, on nous get ban keywords. Ban keywords, c'est ban mot. Quand nous trouvons ce ban mot là, nous connaît, nous besoin servi simple past tense. Alors, on a yesterday. Yesterday veut dire hier. Hier, l'action là, infini passé, est arrivé hier. Après, on a mot lost. Lost, est nous capable ajouter une affaire avec lui. Lost week, lost month, lost year. Tout ça, c'est ban keywords qui dit nous bise servi past tense. Et puis, nous en a aussi mot ego. Avant ego, nous capables mettre une affaire 3 days ego, 3 jours de cela. 1 month ego, 1 mois de cela. 10 years ago, 10 ans de cela. Et on a aussi long ago. Long ago veut dire bien longtemps. Tout ça, c'est ban keywords. Nous connaissons bien servi simple past tense.